Souvenez-vous, le 10 novembre, sur les tatamis à Marrakech, Teddy intouchable, un 10e titre de champion du monde et un statut de légende. 5 mois plus tard, il est là dans un studio à Paris, séance photo pour son équipementier et promo d'un clip tourné en Californie avec une autre légende, l'acteur Dwayne Johnson, alias The Rock. You can be like Teddy. When they see you as one thing, beat him with another. Il est balèze, il faut dire ce qu'il est. La première chose que j'ai fait, c'est toucher les pectoraux. Hein. Forcément, je voulais voir si c'était du vrai. Mais à part le physique, c'est vrai que j'ai été, j'ai envie de dire, stupéfait parce que vraiment, c'est une personne très, très sympa, avec qui on peut rigoler, avec qui on peut bien discuter. Et voilà, j'en garderai, quoi qu'il arrive, si on se revoit ou pas, un bon souvenir. Mais bon, il est prévu qu'on se revoie. So how did I get here? By being the hardest worker in the room. Ça vous plaît justement de jouer, de performer? C'est quelque chose que vous pourriez faire plus tard? Quand j'aurai terminé ma carrière à ce moment-là, j'irai un petit peu du côté du 7e art pour apprendre un peu à jouer l'acteur et aussi à prendre du plaisir parce que ça me tente très bien, en tout cas des films d'action. Ouais, donc vous êtes plutôt la grande vadrouille ou Jumanji qu'un film d'auteur, quoi. Il n'y a pas de problème. Non, je rigole. On ne sait pas. En travaillant un petit peu, et ben, je pourrais peut-être que je vais me découvrir aussi dans le cinéma. Et à ce moment-là, peut-être je ferai des rôles d'auteur. Mais on en a encore long. Il faut laisser le temps au temps, je pense. Vous avez choisi de vous préserver en 2018. Pas de championnat d'Europe et pas de championnat du monde. Peut-être pas de championnat du monde. Les entraîneurs ne veulent pas, mais moi, je laisse toujours un petit peu de suspense. On ne sait jamais. Je suis en forme, j'ai envie. Ça me démange. Pourquoi pas? Les championnats d'Europe démarrent demain sans vous. Vous êtes conscient que cette équipe va partir sans leader, sans grand frère, sans guide? Quand je suis arrivé, j'étais un chiffon. J'ai travaillé, je me suis relevé, j'avais envie, j'ai cru en mon but et j'ai réussi. Et ben les jeunes et cette nouvelle équipe de France, c'est ce qu'il faut qu'ils se disent. Les Jeux, c'est en 2020, on a 2 ans pour bien se préparer. Moi, c'est ce qui me fait me lever le matin. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, lorsqu'on me demande, quand on a tout gagné, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous fait vous lever, bah, c'est ça, moi, l'envie d'aller chercher encore des médailles, de progresser et de prendre du plaisir.